Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous abordons ensemble quelques éléments d'analyse concernant le premier chapitre de la deuxième partie de Madame Bovary. Comme toujours, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la théorie du roman sur rien. Vous savez qu'en écrivant Madame Bovary, Flaubert caressait l'ambition d'écrire un roman sur rien qui ne tiendrait que par la force du style. Eh bien, ce premier chapitre de la deuxième partie, c'est l'occasion pour lui de mettre en pratique sa volonté du roman sur rien, puisque c'est un chapitre sur l'absence. C'est un chapitre qui est construit dans l'attente d'Emma et de Charles à Yonville-l'Abbaye. Donc, comment écrire le rien quand on est romancier? Tout d'abord, Flaubert va s'attacher à dire le rien en décrivant le bourg de Yonville-l'Abbaye. Comment? Eh bien, dans la vidéo résumée, nous avons vu que la description était circulaire. Une circularité de la description. On commence par décrire l'église, puis alors là, il y a la mairie, puis il y a la pharmacie, puis on revient à l'église et son cimetière. Ça montre bien qu'on a fait le tour. Le fait de décrire plusieurs éléments de manière méthodique, les uns après les autres, et de revenir au point de départ, c'est une manière de dire, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Puis ensuite, après cette première description, à la page 128, aux pages 128-129, on remarque des répétitions de l'adverbe « rien ». Ça commence au deuxième paragraphe. Il n'y a plus ensuite rien à voir dans Yonville. Puis, je vous renvoie au dernier paragraphe. Depuis les événements que l'on va raconter, rien en effet n'a changé à Yonville. Et enfin, au milieu de la page 129, ça figure d'exprimer « rien ». Donc, trois répétitions de l'adverbe « rien ». D'ailleurs, le fait qu'il y ait trois répétitions de l'adverbe « rien », ça nous renvoie à l'expression « trois fois rien ». On voit ici que c'est un petit pied de nez de Flaubert pour nous montrer que Yonville-l'Abbaye, dont Emma faisait grand cas, dans lequel Emma plaçait tant d'espoir, et bien finalement, c'est pas grand-chose qui va pouvoir s'y passer. Mais Flaubert s'attache aussi à dire le vide, dire le rien des personnages. Ces nouveaux personnages qui vont peupler le roman, et dont on attend beaucoup, et bien finalement, on ne sait pas grand-chose. Alors d'abord, il y a Monsieur Binet, qui est l'expression même de la régularité et de la monotonie, et qui ne parle pas. Vraiment, les premiers dialogues se situent entre Homais et la veuve Le François, mais Binet ne prend pas du tout la parole. Et d'ailleurs, on le sait par la description, il ne fait rien. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a rempli de qualité, on voit qu'il est fort à tous les jeux de cartes, je suis sur la description, page 131. Il est bon chasseur et il possède une belle écriture. Remarquez trois adjectifs qualificatifs qui veulent à peu près tout dire. C'est une manière pour Flaubert de dire ça c'est un stéréotype, ça c'est une personne vide. Ok, il a quelques qualités, mais c'est pas vraiment des choses qu'on peut lui envier. Et quelle est la passion de Binet? Eh bien, c'est de faire de la poterie. Et on voit le mépris de Flaubert dans le reste de cette phrase. Il avait chez lui un tour, c'est-à-dire un endroit, un appareil avec lequel on peut faire tourner de la poterie, où il s'amusait à tourner des ronds de serviettes. Encore une fois, trois répétitions de mots qui suggèrent la circularité, c'est-à-dire le vide. Donc Binet, personnage creux, qui ne parle pas, qui fait des choses vides. Et ce Binet, il est encore plus vide comparé à un autre personnage, c'est le personnage d'Homais. Alors Homais, lui, réussit l'exploit d'être vide en parlant tout le temps. C'est-à-dire là où Binet est vide parce qu'il ne parle pas, Homais est vide parce qu'il parle trop et il parle pour ne rien dire. Homais, il dit une succession de lieux communs. Les lieux communs, c'est ce que tout le monde répète, c'est ce que Flaubert déteste. C'est l'exemple même de la médiocrité bourgeoise. Par exemple, un petit exemple avec une de ses déclarations, une parmi tant d'autres. J'ai une religion, ma religion, et même j'en ai plus que tous avec leur momerie et leur jonglerie. Je crois en l'être suprême, à un créateur quel qu'il soit. Ici se manifeste l'anticléricalisme de Homais. L'anticléricalisme, c'est le fait de s'opposer à la religion comme élément stable de la vie sociale. On voit aussi que s'il ne croit pas en Dieu, il croit tout de même en un être suprême, un créateur. Qu'est-ce que c'est que cette croyance? Eh bien, ça s'appelle le déisme. Le déisme, c'est une vision de la religion dans laquelle on veut bien croire à un créateur, mais on rejette tout ce qui est, disons, biblique. D'avoir toutes les explications précises. On croit en l'existence d'un être suprême, mais c'est tout. Ça, c'est une position qu'avait Voltaire. D'ailleurs, vous notez que les termes de momerie et les jongleries, c'est présent dans les notes de cette édition, sont des termes voltairiens. Alors, en fait, Homais
Sous ses grands airs, il ne fait que répéter des choses qu'il a lues. Il se donne des airs. C'est donc un personnage qui est vide dans le trop-plein de paroles. C'est très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et à très bientôt sur DigiSchool.